Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch. Et nous sommes en attente. Bon, pourquoi pas, vu qu'on en attente, on en attaque, hop, on peut se permettre un petit peu des choses. Et apparemment ils sont en attente depuis longtemps vu qu'on est que deux, non c'est bon. Non finalement non ça va. Hop, voilà, bon. Beaucoup d'entre vous ne regardent pas forcément toutes les vidéos possibles et imaginables sur le jeu. Du coup, je vais essayer d'expliquer chaque personnage que je prends à chaque fois pour que vous puissiez quand même comprendre un petit peu ce que je fais. Donc bon, on va voir. Nous avons actuellement un tank, deux attaquants. On peut passer donc sur un heal. J'ai pas envie de healer, donc je préférerais plutôt tanker. Je vais donc tanker avec Winston, qui est un ce qu'on pourrait appeler une défense mobile, littéralement. Capable en fait de faire des sauts très très haut avec un propulseur, assez souvent en plus, qui a une arme capable de percer les boucliers de Reinhardt. L'imagination est le fondement de... Ah merde, on est passé en... Bon, on est passé en défense. Je pensais qu'on était en attaque. S'attendre, c'est pas ce que je préfère. De toute façon, dans ce jeu, alors j'ai fait un live, chers amis. Voilà. De travailler avec vous. Alors faut reconsidérer une chose, j'ai fait un live hier soir où j'ai fait peut-être une quinzaine de parties sans avoir le moindre heal ou des Anna. J'ai bien conservé, Jack. Il faut bien que tout ce qu'on a injecté serve à quelque chose. Donc les attaquants approchent. Défendez l'objectif A. Alors j'aime bien les mecs qui disent ah ouais mais elle est jouée dans le top tier, dans le tier 1. Oui sauf que les mecs ils savent pas jouer donc c'est très très bien de dire ah bah oui mais Anna elle est tier 1 sauf que bah oui bah enfin elle est tier enfin. C'est débile. Ah ça me saoule ces excuses de merde. C'est comme les bastions qui disent ah je suis first DPS. Bah oui il suffit de tirer dans, il suffit de tirer dans un bouclier de Reinhardt pour avoir le first DPS. Hop. J'ai besoin de soi. Merci. Contact ennemi. Venez vous soigner. Hop. Hop. Cette position est à nous. Défendez-la. Stabilisation des cibles. Hop, on a plus de heal. Hop. J'aurai besoin de soins. Merci. Encore un. Salut, mon pote. Il me faut des soins. Encore un. Il me faut des soins. Putain mais. J'aurai besoin de soins. Venez vous faire soigner. J'arrive. Partez à l'actif. Vous embêterez. Hop, voilà. Tu as toute ma gratitude. Merci. Merci. Ah pardon Reinhardt, je crois qu'il avait le marteau en or. Oula. Alors là je suis beaucoup moins viable parce que j'ai une grosse grosse tête. Alors oui je précise donc. Arme électrique qui passe à travers le bouclier de Reinhardt. Capacité de saut. Capacité à poser une bubule. Voilà, il est parti suicider, je crois, ou un truc du genre. Voilà.
Hop, il était juste ici. Oh putain de bastion. Ah. Ah, j'ai même pas entendu. Mais il y a des sons que j'entends plus dans ce jeu. J'ai l'impression qu'ils ont modifié le, je vais dire ce que je vais appeler un moteur son, c'est-à-dire l'emplacement des sons sur le truc et que du coup j'arrive plus du tout à entendre certains sons. C'est incroyablement saoulant. Et c'est depuis la mise à jour. Hop. Oh la vache. C'est pour ça que je peux rien faire face à un bastion plus un Reinhardt quoi. Pas un bastion plus un Reaper. Je peux absolument rien faire. Je suis beaucoup trop gros. Et y'a personne qui va repique sur de quoi buter l'un ou l'autre. Pas bien. Bon bah je repique parce que c'est. Enfin c'est pas à moi normalement hein, mais bon. C'est pas grave. Allez. Et puis je précise encore une fois aussi que Anna, top tier 1 certes, mais Anna surtout pas en solo heal. Oh, elle est pas passée loin de ta gueule celle-là. Hop. Ah bah oui, c'est bien, c'est moi que tu coinces. Abruti. Oh mais, putain mais ce grab. Ce grab de merde. Oh mais non. Ce grab de merde. De toute façon c'est un peu trop tard pour Ange. Je veux pas dire mais c'est un poil trop tard. Enfin bon, c'est pas grave. Hop, voilà, toi je t'ai eu. Petite vengeance perso. J'espère qu'elle te plaît. Hop. Non, non. Hop, fallait mieux que je fasse ça pour m'en sortir, là, pour le coup. C'était plus pour ma propre survie que pour... Ah, merde. J'ai dû de la voir. Tu sais que si je te vois, je peux t'avoir, hein. Oh mais merde! Voilà! Meurs! Hop! Putain! T'as du bol que ce grab m'entend n'importe où! Putain! Ah la vache! Mais pourquoi elle me tourne le dos plutôt que de me healer? Ah putain, je le sentais pas son heal. Excuse-moi, j'ai rien dit. J'ai pas vu l'interface du machin là. Excuse-moi. J'aurais bien aimé voir l'interface de heal. T'es sérieux là? What? Ah bah là ça va poser un problème. Allez. Hop.
Donc j'ai une capacité avec ce personnage de grab, vous avez pu le voir, une capacité de soin. Hop. Hop, voilà. Hop. What? Il y en a deux, non? Ah oui, il y en a deux, d'accord. Hop. Ah! Ah putain! Ah! C'était pour ma gueule. Et voilà. Personne sur le point. Enfin bon, c'est pas grave. C'est que du quick. On aurait eu merci depuis le départ, on aurait peut-être pas perdu le point, ça le pire. Ou un Lucio. Là, je serais plus parti pour un Lucio que pour une... En fait, il a fait un kill et trois assists, c'est ça? Enfin bon. C'est bien. C'est bien, t'as repick. T'as été intelligent pour repick. On va voir si tu le sauras plus la prochaine fois. Bon, toujours pas de nouvelles de Sombra, on est le 31 et apparemment c'est un disque qui sortirait demain. Parce que rapport à Halloween, tout ça, Sombra, machin, bidule. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Enfin bon, on verra, on verra. J'aimerais bien qu'il y ait un nouveau personnage, ça fait longtemps qu'on a plus un nouveau personnage. Mais bon. Ici, on aura sûrement encore un... je vais voir ce qu'ils vont prendre, on va bien voir. Ça peut être intéressant. Mais alors, l'excuse, ah ouais, les tier 1, non, elle est tier 1 quand tu sais la jouer, hein, quand t'es à un très très haut niveau. Les tiers et les méta, faut s'en occuper quand on sait, enfin, c'est bien de suivre une méta si on vous dit qu'il faut 2-2-2, par exemple, 2 tanks, 2 machins. Ah ouais, mais si tu sais pas, si t'as jamais joué tank, tu vas pas piquer un tank, hein. Faut quand même piquer ce que tu sais jouer. Mais dans ce cas-là, si on te dit de piquer un truc que tu sais pas jouer, faut le dire aussi. Ah bah comme ça, donc pas de tank. Ah bah ça va être coton. Est-ce qu'on va avoir un tank? Alors je sais toujours pas, je sais pas comment les gens ils font. Je suis mauvais. Hop. J'aurais préféré un chacal plutôt qu'un deuxième soldat personnellement. J'espère qu'ils sauront réagir en cas de Reinhardt. Par contre, s'ils sont pas fichus de jouer groupé, c'est pas la peine. Et ça, c'est pour ma gueule. Help. Deux soldats, qu'une seule zone de soins, c'est cool. Hop. Hop. Et ça c'est pour ma gueule parce que regardez, il y a personne pour me soigner, putain. Attention, on va passer le mur du sang.
Putain, mais je suis tout seul. Hop. J'ai cru voir un truc, mais non. Hop. Hop. Merde, j'ai gaspillé mon truc. Attention à son ulti. C'est bon. Hop. Je suis pas passé dans le bon côté. Hop. Allez. Mais tu vas le buter? Ah. J'aimerais bien avoir des dégâts autour de moi, mais non, apparemment tout le monde va en 1 contre 1. Enfin, va un par un sur le point, c'est génial. Voilà. Hop. Hop. Hop, c'est bon, on l'a eu. Toute la différence avec un vrai heal. Voilà, je pense, hein. Je pense franchement que c'était ça. Mais bon, je me trompe peut-être, hein. Ah, c'est vrai qu'il l'a bien recte là à ce moment là. Oh la vache. Oh bah dis donc, il s'est pas bouffé la balle. C'est une chance monumentale. Participation aux morts 30% quand même. Enfin bon. Je suis persuadé que celui qui m'a mis le point en face, celui qui m'a mis le point, c'était comment, le chacal d'en face. Donc oui, Lucio, alors on voit des zones, alors du coup j'ai oublié d'expliquer, on voit à deux types de musique, une musique de soin et une musique de vitesse, désolé pour celui-là, c'est une habitude que j'ai prise, bref, une capacité d'augmenter le son pour augmenter la capacité à faire, enfin sa capacité à healer ou à faire accélérer les gens, un ulti qui augmente les boucliers, un bouclier sonore sur tous les gens à portée, et une capacité à slider sur les murs, on va dire. Rider sur les murs, peut-être plutôt. Il me semble que c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc là, nous avons. D'accord. Et nous sommes en défense. Donc je vais peut-être prendre plutôt une symétra. J'aurais fait du soutien aujourd'hui. C'est marrant. Hier soir, je voulais pas. Parce que j'étais pas cover. Mais là, ça s'est bien passé. Donc je veux y croire. Mais encore une fois, c'est pas parce que. Oh bah. Oh bah, c'est pas la peine alors. Hein. Je me demande des fois pourquoi je joue. Même quand tu fais l'effort de prendre quand tu fais l'effort de prendre un soutien, les gens t'en fument. En quick play. Donc vivement un mode de partie où les règles du compétitif seront appliquées. Si chacun joue son rôle, la victoire est assurée. Tenez-vous-en au plan. Tourelle en place.
Hop, on va attendre un petit peu. Hi guys. Hi guys, oh my god, I love you so much. Oh god, I have a microphone open. Tourelle sentinelle placée. Okay, now it's it. J'ai pas arrivé à temps si je prends Reinhardt. Je joue pour gagner. Je vole. On n'a pas de heal. Oh putain. Forcément. Ah non, mais c'est pas la peine. Je suis trop jeune pour mourir. J'étais sur le point de lui dire, c'est bien. Enfin bon, il reprend en... enfin. Bon, c'est pas grave. J'aurais préféré qu'il prenne ça en attaque. Bon, il n'y a pas de heal, c'est pas la peine. Ne va pas se rendre toute seule. On m'appelle McCree. On va essayer de faire des choses avec McCree, c'est pas dit. Va en ligne. Faudra m'expliquer des fois. Faudra m'expliquer comment ça se fait que la grenade des fois elle touche et des fois elle touche pas. Ça me saoule. Tiens, y'a quoi là? C'est le même fusil qu'il y a partout, c'est bizarre. Enfin bon, c'est pas la peine. C'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant. Donc, voilà. Moi, ça me saoule. En plus, il s'approche. Mais t'es sérieux? Putain! Ah la gueule! Ah c'est vraiment la partie de trop, hein. Habituellement j'en fais deux, là j'en ai fait une troisième, mais là c'est pas possible. Qu'ils aillent tous se faire enculer à sec, hein. Merci pour la recharge. Voilà, au revoir.
pas de heal. Ferait mieux de défendre le point plutôt que d'y aller bêtement. Enfin bon, c'est pas grave. Peut-être ma faute, hein, peut-être débile. Voilà, vais-je avoir du heal avant d'être mort? Non. C'est clair. Oh la gueule! Je fais que ça. Je fais que ça parce que je suis pas fichu d'étrillé par une putain de merde là qui dit ah mais non mais je joue que les personnages top tier parce que je suis un vrai dieu. Putain. Alors que c'est juste une merde. Ah j'en ai ras le bol. Putain, y a vraiment que des abrutis des fois sur ce jeu. Hop. Et voilà. Voilà, alors on va pas dire que depuis une demi-heure, le putain de Zenyatta de merde là, qui veut jouer avec les personnages tier 1, il a son ulti, mais c'est pas grave. Le mec c'est juste une merde qui sait rien jouer, mais ah bah non, mais je joue que les meilleurs personnages parce que ça fait tout. Putain. Et voilà, zéro coup de main, zéro, que dalle. Je me demande, vraiment je me demande. On a presque perdu. What? Il s'est même pas causé en plus, c'est une merde. Il a sorti une transcendance. Je me demande en fait, c'est marrant parce que plus on avance dans le jeu, plus le quick match devient de la merde. Et plus le quick match devient de la merde, plus la difficulté dans les ranked est augmentée. C'est débile. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas s'entraîner en quick match, mais en ranked, tu te feras forcément défoncer de plus en plus dur. Enfin, ce sera forcément de plus en plus dur. Donc c'est génial. Là, j'aimerais comprendre pourquoi ils foutent encore pas de mode où il y a les règles du ranked dans le quick match. Il y a moyen, mais c'est juste que c'est mieux de laisser des équipes avec 3 putains de soldats gagner. C'est génial. C'est génial. Donc en fait, t'as aucun moyen de t'entraîner dans les ranked. Et dans les ranked, si tu perds trop, tu te fais enculer parce que t'as un MMR de merde et tu te retrouves face à des trous du cul. Ou avec des trous du cul. Enfin, plus souvent avec des trous du cul qu'à face à des trous du cul. C'est curant. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir laissé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.